Bonjour, bonsoir, bienvenue. Non, moi c'est Jeanne Saint-Fleur. Nous connaissons que nous avons une élection importante qui va arriver sur nous dans quelques semaines. Pour ceci, on va faire l'autre action que descendre côté bagalaye même dans sous-causé côté que moi dans bureau superviseur election là dans Broward County pour moi parler avec un monde qui pas inconnu dans communauté, un monde que nous voit tout le temps depuis ces questions voter, que c'est voter local, que c'est voter chaque année, que c'est voter présidentiel, qui est toujours là pour porter information pour nous. Mon ça a gagné plus que oh mon Dieu et 12 à 13 ans depuis que la servi communauté ça et ce n'est nul autre que Makedi Messan. Bonsoir, bonjour Makedi, je suis content qu'on bon petit temps aujourd'hui et c'est parce que je connais tout ça encore pour toujours des communautés haïtiennes dans faire connaître ça qui passé dans 41 et qui j'ai le important pour voter. Comment est? Bonsoir, bonjour Jeanne, bonsoir, bonjour avec tous les téléspectateurs qui a regardé nous connaît. C'est un plaisir pour nous parler d'élection puisque nous n'a nous dans mi-temps bagala faut n'a parler d'élection. Ça qui m'a passé un cyclone nous dans yeux. Alors, Makedi, l'élection a fait quand même malgré COVID-19 là, que tout le monde tape cap monnaie, pas connait si la fête s'il pas fait. Bon, non seulement tu passé en outre là et connait nous dans élection présidentielle novembre qui va venir le 3 novembre. Dis-nous un petit peu ça ou même on fait dans bureau et superviseur d'élection là parce que tout le monde cap regarder nous pour première fois. Non, moi c'est Makedi Messan, moi Jean DJ te dit là que m'a travaillé dans bureau élection depuis 12 ans. Depuis en 2008 et mon frère gagne 13 ans en avril et travaille moi c'est outreach coordinateur, ça veut dire que moi sorti dehors, moi parle avec monde, moi éduque monde sur question élection et moi enregistre monde tout et qui te dit nous que de 2009 à 2020 pendant que et Covid là pour en vigueur que moi enregistre seulement dans immigration 45 000 monde. Ça veut dire que ça, c'est travail pas moi. Ou même seulement. Moi-même seulement. Alors, moi-même seulement avec quelques autres monde, mais c'était travail moi que je cherchais contact avec l'immigration, que nous enregistrons 45 000 personnes déjà. Et dans seulement les monde qui viennent et citizens. Mais après ça, nous enregistrons pas quelques monde encore. Donc, juste pour nous capable permettre que tout le monde qui vient citizen et pour nous capable et gain possibilité pour nous enregistrer, pour nous voter. Exercer droit civique, nous même dit que c'est droit moral qui c'est voter. Année ça qui s'organise pour communauté haïtienne en termes de date. Est-ce que au monde qui fait citoyen là qui peut qu'on enregistre qu'à venir enregistrer jeudi? Malheureusement, au monde qui fait citoyen pas capable enregistrer jeudi et alors il est capable d'enregistrer mais il pas capable d'enregistrer pour l'élection qui a pour venir voter dans l'élection pour, pour voter dans l'élection ça parce que nous fermons les lieux parce que nous fermons boucle là gomba que le book closing qui c'est 29 jours avant l'élection et tout le monde de pour enregistrer pour première fois c'est pour enregistrer 29 jours avant jouer l'élection. Donc puisque 29 jours est déjà passé donc on y a nos plus proches élections de 29 jours donc tout le monde qui enregistre connait pas capable participer dans l'élection le 3 novembre. Mais après ça, vous pouvez participer dans l'élection qui a venu après. Ok, que c'est élection municipale, que c'est élection présidentielle. Parce que je pense que c'est très important pour nous faire différence pour mon Dieu. Parce que la prochaine élection présidentielle, là, dans 4 ans, mais dans la municipalité, dans la ville qui n'a pas de peut-être qu'en en mois prochain ou bien en août prochain, nous avons une élection pour une ville qui est spécifique. Alors, il faut nous-mêmes pour nous faire très attention pour nous connaître la différence entre élection municipale ou bien élection présidentielle et élection primaire. Tout. Oui, oui, ça est extrêmement important. Parce que, en plus, le monde dans la communauté haïtienne a souvent pensé avec élection présidentielle pour aller voter. Voter. Donc, il n'est pas tellement trop avantageux. Raison, c'est parce que nous avons voté pour le président qui a pris une décision, mais une décision qui a pris un petit temps avant qu'il arrive sous nous. Alors que et dans le municipal, ça veut dire que dans la city où nous vivons, dans le county où nous vivons, dans le state où nous vivons, nous sommes capables de gagner l'élection. Donc, nous devons participer parce que l'élection, ça va affecter nous de façon directe. Et peut-être dans le mois de novembre, donc dans le mois de mars et l'année prochaine, nous avons gagné l'élection. Et puis, dans 2 ans encore, que nous avons gagné l'élection pour gouverneur avec l'élection pour sénateur. Donc, ça veut dire que l'IO, c'est important pour nous toujours être informés et puis pour nous toujours update et statut nous. Parce que il y a des gens qui ont changé d'adresse, il y a des gens qui veulent changer un parti politique. Tout ça est capable d'affecter mon IO dans l'élection. Donc,
li important pour nous capable opter et information nous avec bioélection. Alors, on t'a parlé de date des 3 novembre et puis on t'a parlé du fait que livre enfermé 29 jours. Qui l'autre date qui est important dans le mois d'octobre là, parce que moi connais que bon date que bail c'est un coup son privilégié pour monde Florida et puis commencer voter bonheur. Qui date ça? Vraiment, nous avons plusieurs dates et nous avons plusieurs dates. Nous avons une date qui est plus proche là, c'est 19 octobre. 19 octobre là, c'est ça que nous avons early voting. Early voting là, a commencé le 19 octobre, l'a fini le 1er novembre. Et donc, c'est date ça que le monde capable de voter. Peut-être, là, nous arrivons dans la façon pour le monde voter, que nous avons plus de détails sur early voting là, qui est l'importance là, quel gagne et qui avantage qu'elle présente pour moun yo capable de voter dans early voting. Nous gagnons 19 octobre qui c'est jour early voting a commencé et puis tout nous gagnons 24 octobre qui c'est dernier jour que on moun capable request et vote by mail yo. Par exemple kounia sou vle voter la kayo ou capable request vote by mail là et donc n'a voyé le baou. Mais sou qui était 24 octobre l'arrivé nous pas capable après 24 octobre là nous pas capable voyer et vote by mail là quand encore ce pas besoin relé après 24 là pour dire voyer exactement la caille exactement ou pas carré pour dire voyer bulletin la caille surtout fois que yo besoin yo capable toujours joindre mais les ça yo même y a venir chercher dans bureau. Ah OK, mais pour venir chercher dans bureau c'est pas comme ça que yo dit y a venir chercher yo gagne en forme pour yo remplir. Ah. Et puis pour capable permettre que yo vienne chercher bulletin dans bureau. Qui l'autre date qui est important en termes de si on monde table changer parti que lié parce que nous connaissons démocrate et républicain que nos parti affiliation, gain plein l'autre mais ça c'est trois ça qui est plus important. Mm-hmm. Est-ce que nous avons une deadline, est-ce qu'on date limite pour mon n'a faire ça s'il veut changer? Oui, gain une deadline pour mon n'a changer parti li. Et toujours dans book closing là. Ah, bon, ça veut dire que passé lui. Ça veut dire qu'il passe déjà. Okay. Ça veut dire qu'il passe déjà pour ta changer parti pour capable et affecter élection qui va venir. Mais qui te me dit nous dans élection qui va venir qui c'est élection générale, li pas gagner aucune différence que si on monte en parti ou bien dans l'autre parti ou bien sous pas affilié avec un parti, pas gagner différence du tout parce que ou capable voter pour n'importe monde que vous voulez sans différence parti, quel que soit monde là ou capable voter pour lui. So, si moi t'es un républicain, moi qu'a voté démocrate, si moi un démocrate, moi qu'a voté républicain parce que c'est élection générale. Exactement. Et m'a rappelé mon yo pas qu'a faire même bagarre dans élection primaire. Non, ou pas qu'a faire dans élection primaire. Élection primaire là, faut ou voter dans parti que ou affilié. Mais gien qui t'aime nous gien une loi qui dans ballot là, qui dans mois de novembre là, qui a demandé pour on déjà éliminer élection primaire là. Ah. Ça veut dire que loi ça si nous regardons les nous recevoir bulletin d'après que Floride a une loi qui dans Floride là il a demandé que pour tout le monde capable de voter pour les élections pour cabinet avec les élections pour gouverneur comme ça. Donc pour tout le monde qui a voté sans que yo pas faire différence dans parti politique. Nous là je dis pour nous parler avec monsieur Makedi Masson, lycée on outreach coordinateur. C'est lui-même qui fait des coordinations dans le bureau supervision of election là et lui aider en pile haïtien comprendre que ça qu'a parlé là jeudi hein, qui c'est early voting and voting, c'est deux bagages qui sont différents mais lui mène dans même faire, ça veut dire que on fait choix, on assurer que vote compte, on assurer que vote c'est pouvoir. Oui. Et pour assurer que vote c'est voir. C'est bon. Alors nous couvrir tout ça. Et nous parlons pour un petit pause, les finis pour nous retourner. Et les retourner, nous allons parler plus de qui ça qui passait pendant COVID. Non? Qui importance que pour nous prendre, que ce soit social distancing, que nous prenons distanciation sociale, que nous voyons et ballot l'an en vent jouer élection. Tout ça, nous allons entrer dans le plein avéli avec M. Makedi Masson qui fait nous honneur pour lui venir accompagner nous dans l'information. Moun ka viv nan Broward, si ou pa pral nan biro vote nan date 3 novembre nan, nou sugere ou voye bulletin vote ou la poste avant lundi 19 octobre pou asire la privé avant jou eleksyon an. Ou ka delivre bulletin vote ou tout en personne soti 7 an matin jusqu'à 7 an aswe nan n'importe biro vote ki fèt pou sa depi 19 octobre pou rive 1er novembre. Sonje siyen bulletin vote ou menm epi pa bay moun ou pa konnen li. Pour local bureau vote pour voter avant jou eleksyon an ou bien pour délivrer bulletin vote ou, tan pri visite broward.soe.org. Nous comptons avoir aujourd'hui encore avec M. Makedi
Mason, qui est Outreach Coordinator dans Broward Supervision of Election. Monsieur Makedi toujours accompagné nous chaque année depuis plus que 12 ans pour lui informer nous de ce qui a passé en dans la communauté hein, quand il s'agit de vote et importance de voter. Il te dit tout à l'heure que lui aider presque 40 ou du moins d'après supposé dire plus que 45 000 monde enregistré pour yo venir citoyen les fin citoyen puis yo connaît que l'important que yo vinn et des voteurs. Alors monsieur Masson, je suspecte que grand pile monde dans communauté qui a regardé nous là et qui dit que côté ma sponsor c'est pas pour Covid. Moi je dis que ni moi-même ni monsieur Mason nous testons, mais je dis nous va parler un petit peu plus de importance précaution que nous avons pour nous prendre parce que nous ouais j'ai un petit genre grand distance ça m'a avec moi. Importance de précaution pour prendre pendant temps Covid ça quand il s'agit de élection. Monsieur Masson, pour me rentrer là, je pose une petite question, je dis moi est-ce que vous avez rendez-vous ou pas à venir, nous pas recevoir mon. Pendant temps pandémique ça, qui ça vous a conseillé mon yo pour vous faire comme précaution pendant que vous pouvez planifier pour vous voter parce que c'est planification qui m'a dit pour mon yo aller pour vous voter parce que vous a dit que pas voter. Donc, si mon yo a planifié pour aller voter, qui précaution t'a dit pour vous prendre? Normalement, précaution que m'a conseillé vous prendre. Nous connaît que dans 40 côté n'a vivre là, 40 ans gagné des ordonnances côté que li passé. Côté que li mandé pour moun porter et mettre masque et qui t'aime dire pour dans bureau élection en tout nous n'a suivre ordinance 41 côté que nous encourager moun pour toujours mettre masque et par exemple si on moun a venir voter nous encourager ou mettre masque et nous pas dit que sous pas gain masque ou pas voter non sous pas gain masque n'a toujours quitter ou entrer dans bureau vote là mais ou abjoint tout le monde qui cap travaille dans bureau vote là il y a bien masque dans figure et ceci nous pas besoin peur venir voter pour nous penser que nous capable affecter parce que dans bout de côté que nous pas voter hein, chaque fois un monde sorti il y a nettoyer lui okay. il y a nettoyer lui et depuis tout et gain plume que utiliser en sous les leur fini ou cap tout problème dans voilà avec lui pour pas dire que l'autre monde était mal un plume dans tout ça donc ça veut dire que nous pas besoin peur et pour nous venir voter pour nous dire à cause que COVID-19 que nous pas venir voter nous même venir voter même d'encourager nous mettre masque prendre protection laver main nous tout ça pour nous capable protéger tête nous pour nous non seulement pour nous venir voter mais tout pour nous capable faire en toute en sécurité. Ça c'est seulement si mon n'a déplacé pour venir voter. Oui. Ou même pas doit encourager pour déplacer pour prendre des mesures de sécurité pour venir voter parce que moi connais conseil de monde, yo grand adrénaline la cor yo les descend en bas pour aller voter. Yo quelqu'un qui veut ce même jour même pour aller voter. Maintenant yo mandé de bagage qui différent. Moi même m'encourager mon yo pour voter à l'avance. Et me pensais que ou pas d'accord avec moi que ça fait que l'important que les monde voter à l'avance, il faut toujours checker. Pour assurer que votre plan te recevoir. On a parlé de early voting, puisque tout à l'heure, on dit que à partir de 19 octobre, on est capable de commencer à voter. Est-ce que c'est même genre avec un vent, côté que à partir de 19 octobre, on a le droit d'aller dans n'importe qui précinct, ou bien il y a un côté spécifique pour aller si c'est dans une zone nakali pour l'obliger à aller? Ça, c'est une très belle question. Et qui t'aime dire, m'a répondre à la question de façon détaillée. Pour m'expliquer différentes façons que monde capable voter. Il y a trois façons monde capable voter et surtout dans Florida et spécialement dans Broward County. Première façon c'est ça nous relier vote by mail là. Longtemps que yo te connait le absentee ballot, mais qu'on y a yo le vote by mail, c'est même bagage là, pas de différence. Pour vote by mail là qui ça que vous faire ou reler bureau élection et puis ou mander pour nous voyer bulletin à la caillou pour et qui t'aime dit nous m'a tout rappeler nous tout. Que nous pas voyer sollicitation ça veut dire que nous pas voyer papier en bas pour demander pour enregistrer votre bannel si vous avez recevoir un papier comme ça il pas sorti dans bureau élection ouais nous recevons un pile papier ça exactement il pas sorti dans bureau élection c'est l'autre organisation qui a voyer papier mais nous mêmes nous voyer bulletin en bas ou la carou seulement si que vous mandé okay. Et si sous ou mandé nous voyer bulletin la carou pour OK répétez pour moi s'il vous plaît marketing côté que seulement si vous voyez mandé pour yo voyer bulletin la caillou que bureau ça voyer le oui seulement sous faire demande là
ou relé bureau ou mandel ou dit que ou voulez recevoir bulletin vote là la caillou, nous va voyer le baou. Mais si vous recevez un papier qui dit que pour voter par mail, c'est pas nous-mêmes qui voyons li, c'est pas dans bureau pas nous qui le sorti. Donc nous avons que nous clair sur ça. Donc vote par mail là, lorsque ou fait demande là, nous voyez bulletin en baou. Là nous voyez bulletin en baou mes amis, m'a tout profiter souligner ça pour nous. Il y a un pile bulletin que nous recevons, bulletin ça nous pas qu'à processer. M'a pas fait nous peur non, mais m'a dit nous ça qui vérité. Nous pas qu'à processer, raison c'est parce que mon yo yo pas fait ça yo te doit faire. Là nous recevons bulletin, n'a pas recevoir les comme ça, non enveloppe comme ça, non gros enveloppe comme ça. Bulletin li gagne là-dedans ni, li gagne là-dedans ni on l'autre enveloppe. M'a montrer nous ça. Li gagne là-dedans ni on l'autre enveloppe pour nous voyer le tourner. Et puis li gagne bulletin même, c'est bulletin et puis li gagne on l'autre dépliant et que nous voyons ensemble avec. Lors recevoir et bagage ça yo, ça c'est bulletin. Ou fin voter la donne, m'a montrer nos qui j'ai bulletin hier, son bagage qui long. Ou voter la donne ou faire choix. Pas besoin qu'on ait sous voter pour Jean, bien sous voter pour Jacques, ça c'est choix pas. OK? Après ça que me dit parler de amendement et gagne peut-être dans quelques villes, dans quelques cities que vous avez, si tu as un amendement, tu es capable de garder ou voter dans l'amendement. C'est l'avantage que vous avez de voter par mail. Vous avez le temps pour capable chita pour connaître qui est dans le bulletin. Là, vous finissez voter là-dedans, vous finissez voter et puis vous avez. Alors, je vais dire, qui est le plus pour voter? Est-ce que vous pouvez voter à crayon? Non, vous pouvez voter très très bien. Vous pouvez voter à crayon. Il faut utiliser plume noire, pas utiliser plume rouge. Il n'est pas conseillé pour utiliser plume bleue, c'est plume noire pour utiliser. Lorsque vous votez dans le bulletin, vous cassez en deux, et puis vous prenez, vous mettez dans le temps ça, dépliant ça, ou fouillez dans le dépliant. Lorsque vous fouillez dans le dépliant, nous voyons une enveloppe pour vous retourner le bulletin. Vous mettez dans l'enveloppe ça. Ok, je vais montrer qui j'en pour faire. Ou mettez-le dans l'enveloppe ça. Est-ce que j'ai besoin de thème, Makedi? Parce que mon yo dit, est-ce que j'ai besoin de thème? Je vais expliquer. Lorsque mettez-le dans l'enveloppe ça, ou fermez-le. Là où fermez-le, Kounia, il y a un thème là-dedans qui dit que c'est vous-même qui votez, c'est vous-même qui votez dans le bulletin. C'est vous-même qui remplit le bulletin. C'est vous-même qui choisit le monde qui est dans le bulletin. C'est vous-même qui est dans le bulletin pour là. Exactement. Parce que vous êtes devant le bulletin, non? Exactement, devant quelqu'un, non. Maintenant, qu'on y a, et c'est moi ça, lit en trois langues. Lit en anglais, lit en espagnol, lit en créole. Maintenant, ou écrit non là-dedans, si c'est pas, si c'est dans la partie créole, parce que moi-même, toujours écrit non dans la partie créole là. Moi, écrit non là-dedans, et puis qu'on y a, côté gain X là, moi, signé là-dedans. Et puis, mettez date là. M'a dit non, m'a présenté ça pour, bah non, comme ça. Si nous voyons le bulletin, il n'y a pas signé là, le bulletin n'est pas processé. Ça veut dire que il n'y a pas besoin de dire que votre pas de compter, c'est vous-même qui fait même qui cause qu'il n'y a pas de compter. Parce que il n'y a pas rempli, ça peut remplir. Je dis encore, si nous pas signé là, votre nom n'est pas compté. Même si vous oubliez nous en l'air, mais si vous pas signé là, si vous pas signé là, nous ne pouvons pas compter. Ok, donc l'autre petit cas où vous demandez un email ou avec téléphone, numéro de téléphone, est-ce que c'est important pour faire? Parce que peut-être que si vous avez le bonnet, le numéro de téléphone, vous pouvez dire que vous avez mouru le boss de signer, ou bien c'est juste pour accountability, pour que vous connaissez que vous n'avez pas signé, mais vous avez un numéro de téléphone. Email là, c'est optional. Okay. Ça, c'est une option que vous avez pour mettre email ou téléphone. Si vous voulez mettre ou mettre, si vous voulez mettre ou pas mettre. Mais il y a des gens qui, ça me puisse concentrer sur lui, il y a des gens qui dit que yo pa vle wè non yo, yo pa vle wè non. Mes amis, non, yo ka jwenn tout côté. OK? Yo ka jwenn non tout côté. Ay si pa vle écrit non, c'est pas bien. Nous pas besoin peur et nous capable mettre non nous là-dedans. Là nous fin mettre, là nous fin signer là-dedans, nous mettre date. Maintenant, nous pas besoin mettre thème sous lui. Seulement aller la poste à le déposer. Sans que nous pas mettre thème. Maintenant, pour déposer votre bamel ça. Ou capable de déposer li la poste comme ça tout ou capable de déposer dans early voting site yo. OK. Parce que à partir du 19 octobre, n'a commencé dans early voting, ou capable aller dans site ça yo parce que nous avons gagné 22 sites et early voting. So gagne 22 précinct qui parler
pour early voting qui a fait entre le 19 octobre avec 1er novembre. Ça veut dire que depuis mon enfant rempli, il a perdu temps, il est allé à la cali, il a écrit tout ça pour l'écrire, il a signé, il a choisi, mon a choisi avec mon plume noire, s'il vous plaît. Il a tout le jour ça pour le passer, pour le déposer. Exactement. Okay. Et non seulement des early voting sites, nous avons deux autres sites en plus. Ok. Côté que nous avons qui n'a Governmental Center qui c'est downtown Fort Lauderdale, qui n'a Boisot Boulevard avec et Bricol Avenue qui est avec Andrews tout avec Andrews et même boîte là c'est dans Bricol Avenue boîte là que okay. Yo capable déposer là. N'a pas le monde c'est après rentrer en face Pink Danon là. Exactement. Après ça nous avons l'autre côté encore que yo capable déposer les 24 heures sur 24 s'il te plaît dans deux côtés ça yo c'est dans Lauderhill Mall là, c'est pas derrière Lauderhill Mall là, c'est pas devant nous, pas derrière Lauderhill Mall là, n'a point que gion on bloc bleu il y a un canapé qui est rouge avec bleu et puis il y a une boîte là que nous capable déposer li 24 heures sur 24. On dit que nous décider à déposer li à 2h du matin ou capable aller ou capable déposer li sans problème. Boîte ça gagne surveillance, ça veut dire que li a une caméra de sécurité et boîte là marée à terre, ça veut dire que m'pa ka passer pour me frapper les finement la caméra avec. Si c'est à soigner boîte ça. Et c'est un petit bagage que vous levez dans le déroulement là pour fouiller la boîte. Et boîte ça, il y a sécurité là-dedans, il y a une caméra sous lui, et puis il y a une police qui est là. Même si vous n'avez pas de police, il y a là. Il y a veillé. Donc ça veut dire que c'est tout en sécurité. Ça, c'est pour nous parler de pour vote by mail là. Deuxième façon que vous êtes capable de voter, c'est early voting. Là. Early voting dans lui-même, c'est lui-même qui a commencé le 19 octobre et l'a fini le 1er novembre. Dans early voting, nous avons gagné 22 côtés location dans Broward County pour aller voter. Dans early voting, nous sommes capables d'aller voter dans n'importe que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Ça veut dire que les pas dans le précédent, mais on va aller dans le côté que je m'habitue à voter. Ça veut dire que si je suis dans un complexe et tout est complexe, ça gagne un côté que je m'habitue à voter. Dans early voting, je vais voter dans votre côté si je travaille dans l'autre ville, je vais déposer dans le même. Okay. Correctement. Dans early voting, il n'y a pas besoin de boire la caillou, quel que soit côté. On dit que si vous habitez Miramar et puis vous avez 11 ans pour Pompano, bien vous travaillez pour Pompano, vous avez un early voting pour Pompano, vous êtes capable toujours de voter là-dedans. Et quel que soit côté early voting, vous êtes capable de voter. Mais ça, il est valable entre 19 octobre avec 1er novembre. Okay. Donc vous êtes capable de voter. Mais troisième façon pour voter, c'est jouer l'élection. Jour élection c'est le 3 novembre. Et qui te dit nous que dans early voting là et puis Saint-Yo dans early voting là il y a ouvert de 7h du matin à 7h du soir. Comme ça tout jour élection puis Saint-Yo a ouvert de 7h du matin à 7h du soir. OK? Différence qu'il y a entre early voting avec jour élection, early voting là ou capable voter dans n'importe côté que vous voulez, mais jour élection faut aller voter dans precinct Paola parce que chaque monde gagne un prix qui est affilié à eux. Ah, OK. Et m'a rappeler auditeur que nous avec Makedi Mason qui c'est outreach coordinator dans Broward Supervisor of Election. Et ça ou dire tellement important en pile là nous recevoir quatre votes nous. Nous pas même voulez marcher avec lui, mais en derrière quatre votes non, c'est là que lui dit qui précède qui a signé avec ou même basé sous adresse que superviseur election n'a gagné pour vous. Exactement. Qui veut dire pile fois moi connais que Marquis dit toujours à parler avec nous de ça nous refuser update avait dit mettez nouveau adresse nous toujours kembe adresse ka maman nous mais si nous toujours kembe adresse ka maman nous qui c'est Hollywood nous pas cap connait bon élection qu'a fait lors de Hill les fini pour dire au monde qu'on va voter pour lui parce que ou pas dans et ville. Exactement. Côté Mounaï. Avec dit, je parle de, en termes de county, et en termes de city, et commissioners et tout ça. So, il est très important que non seulement pour suivre l'information que nous avons aujourd'hui, il est très important pour relayer le bureau électeur et supervision de l'élection, nous avons gagné l'information qu'on a besoin. Et il est très important que vous-même vous assurez que non seulement adresse et à jour dans le cadre là, et tout, bien que vous n'ayez pas de gens trop tard parce que je ne vais pas vous trop d'informations, que si tu nous à jour, parce que si nous commençons à vous dire mon nom, j'avais mon nom, les creepy border, et que si tu n'as pas même gens, il est difficile pour vous de dire que 4 mois à jour. Oui. So,
faut adresse ou à jour, faut signature à jour. Exactement. Et tout parti qu'on habite à voter ou mieux qu'on a remis voter, il faut la jour tout, bien que qu'on ait une date la fermée pour l'élection se passer là. Si vous bien comprenez ça, monsieur Messon. Oui, oui. Donc, ça veut dire que je vais encourager Mounio, si toutefois que nous avons habité nos adresses, même les gens qui nous allé dans DMV, dans Driver's License, nous changer adresse là, s'il te plaît, relé bureau élection, changer adresse nous tout. Adresse là, pas changer dans bureau élection automatique. Faut ouvrir les bureaux élection ou pour changer adresse. Mais quittez me dit non pour changer adresse ou pas besoin venir dans bureau seulement you capable faire pour dans téléphone. Et de plus tout pour changer adresse ça pas grande date limite. OK? Et élection même si élection t'es capable demain si devait si jodi a besoin changer adresse là, on capable toujours les bureaux élection changer adresse là. Donc pas gain on date limite. Donc c'est pour nous qu'embé bagaille update. Et quittez me dit non que jour élection c'est 3 novembre. Faut nous aller avec et driver's license non ou bien on ID ou bien sinon pas gain ID faut nous aller avec un document qui gain photo nous avec signature ah ça changer les passeport passeport gain signature avec et photo là dedans ou capable voter avec passeport ou capable voter avec et driver's license ou capable voter avec ID ou. Mais si toutefois que ou pas gain on dit que ou gon credit card. Est-ce que crédit carte qui gagne photo là dedans parce que gagne mon qui crédit carte qui gagne photo gagne mon qui crédit carte qui gagne signature est-ce que si crédit carte ou gagne photo avec signature est-ce que ou ka voter là avec lui oui ou ka voter avec lui mais là ça faut venir avec un autre document qui pour supporter crédit carte là maintenant si crédit carte là gagne signature que pas gagne photo avec lui faut ou capable venir avec crédit carte là mais faut venir avec l'autre bagage qui gagne photo pour que vous capable voir que c'est vous même on dit que sous dans en association en bon on carte qui gagne photo là dedans ou capable venir avec carte ça et sous gagne sous habiter dans un building côté que building là bon on carte qui gagne photo là dedans ou capable venir avec tout mais pour carte ça yo on a besoin de deux pièces identité pour capable bailler plus force pour être sûr que c'est vous même qui dans pièce identification ça. Je pense que M. Mason va nous en pile information sur early voting. Il va nous en pile information sur absentee ballot, que c'est voté par la poste. Nous allons prendre une dernière pause, les finir les tourner. Nous allons porter plus d'informations pour vous sur l'élection 2020, qui sont élections cruciales. Merci. Moun ka viv nan Broward, si ou pa pral nan bureau vote nan date 3 novembre nan, nou sugere ou voye bulletin vote ou la poste avant lundi 19 octobre pou asire la prive avant jou eleksyon an. Ou ka delivre bulletin vote ou tout en personne soti 7 an matin jusqu'à 7 an aswe nan n'importe bureau vote ki fèt pou sa depi 19 octobre pou rive 1er novembre. Sonje si yon bulletin vote ou menm epi pa bay moun ou pa konnen li. Pou lokal bureau vote pou vote avant jou eleksyon an ou bien pou delivre bulletin vote ou, tan pri visite broward.soe.org. Moi passé nous porter un pile information pour aujourd'hui hein de bureau supervision of election directement avec monsieur Mackenzie Mason qui m'a contre que j'ai pour remercier qui toujours là qui toujours disponible pour lui partager information qui important pour nous même dans communauté haïtienne et nous avec show a fait en créole c'est un show que fait spécifiquement pour nous même haïtiens pour nous encourager nous. Monsieur Mason nous dit moi tout à l'heure de 45 000 monde. Moi on est grand pile monde qui enregistré pour aller voter et nous déjà dit que c'est vote ou c'est voir, vote ou c'est pouvoir, vote ou voter c'est devoir civique et moral. Élection ça a grand pile intérêt dans élection ça. Qui sont qu'a dit un haïtien qui chita qui dit moi maintenant à voter ça m'ba quoi me aller qui sont des cas dit pour ballon dernier coup de pouce pour dire que mon cher katouna mais on pense avec pas monde pas connait ça va dire bon qui te dit que 45 000 monde que me parler là c'est 45 000 monde seulement que me marcher dans immigration l'immigration seulement pour petit temps qu'on travaille pour petit temps qu'on travaille mais après ça nous go paquet l'autre monde encore que nous aller dans l'école dans l'église dans toute activité à bas ça que nous aller. Qui te dit non que en 2016 nous t'ai gagné on a fait de 71.55% monde qui t'ai voté en 2016. Okay. En 2018 t'ai gagné 60.9% monde qui t'ai voté. Pour élection ça nous espérer 80% monde
et qui enregistré dans Broward County. Côté Broward County, il y a 1,267,187 monde qui enregistré. Donc nous espérons que 80% monde a sorti pour aller voter. 100% marketing, nous avons besoin de 80%, 100% c'est A. Et ça me donne souhaité mon yo, ou même qui t'a chita, que ou pensez que ou que ou pas intéressé pour aller voter, qui t'aime dire que l'élection ça est important. Il est important quel que soit la partie que ou affilié avec lui. Et de plus tout, si tout fait que ou pas aller voter, je pense que pas rien que ou ka plaigne. Raison parce que ou pas fait devoir. Parce que songez que en tant que yon voteur, ou gagne droit ou gagne devoir. Droit que ou gagne, c'est pour bureau élection faciliter processus là pour. Qui contrairement avec la Kaino, qui en pile difficulté pour monde voter. Et parce que la Kaino gagne monde qui handicapé pas ka voter, monde qui pas ouais bien pas ka voter, monde qui pas gagne transportation, monde qui pas gagne force pas ka voter. Mais ici bureau élection a créé des situations pour lui capable faire ou même pour aller voter, même ce que ou aveugle ou capable voter, parce que nous avons une machine en dedans bureau élection qui que capable tendre voix et qui t'aime dit nous que voix monde en créole qu'on attendait à ces voix pam qui sous machine là qui en créole qui peut expliquer au bagage et qui t'aime surtout que tout ça que nous fait dans bureau élection nous fait dans trois langues, nous fait en anglais, en espagnol, en créole. Donc ça veut dire que si vous ne parlez pas anglais ou pas parler espagnol, je suis sûr que vous parlez créole. Donc, vous êtes capable d'entendre en créole. Donc, ça veut dire que vous n'avez rien qui empêche ou à voter. Et puis, je vais vous rappeler que si vous n'avez pas voté, et puis, les finis, vous n'avez pas connu que les haïtiens qui ont voté, vous avez besoin de parler en créole là tout. Exactement. C'est ça qui fait que nous allons démontrer que nous avons parti créole là, c'est là que nous écrit nom, pour nous montrer que les haïtiens qui participent. Parce que si vous ne montrez que les haïtiens qui participent dans la partie créole là, il y a retiré la partie créole là. Et si vous retirez en créole, et la communauté brésilienne a augmenté, que vous avez mis en portugais. Oui. Et là, ça, nous ne sommes pas capables de plaindre pour nous dire que nous ne sommes pas présentés, que nous ne sommes pas une présentation, parce que c'est nous-mêmes qui sommes capables de causer ça. Oui, parce que faire là toujours de même grosseur. Faire là toujours de même grosseur. Si nous-mêmes, nous allons aller pour nous dire que nous là, que nous comptons en force, et puis quand on a l'autre qui est en force, et puis mettez-le, vous obligez de retirer un peu de l'autre. Définitivement. Ça, c'est très important. Donc, on a parlé de ça, c'est deux voix. Et puis, au superviseur électionnel, c'est pour assurer que nous faciliter le process là. Donc, on y a, ça y a même rien pour faire. Il y a même des droits qui. Devoir par eux, c'est pour aller voter. Aller faire vote nous passer. Parce que avant que vous êtes citizen, vous n'êtes pas capable de voter. Mais quand il y a une possibilité, c'est pour prendre avantage ça. Pour aller faire voir au passé. Et parce que pour moi-même, c'est une chose qui est importante, le que vous connaissez que quel que soit ça qui décide dans le pays, il décide à partir de vous-même qui êtes à voter, à partir de vous-même qui êtes à voter, grain de vote pour là. Donc c'est ça fait que nous t'avons encouragé pour aller voter. Je ne vais pas dire pour qui est-ce pour voter, c'est vous-même qui vous connaissez pour qui monde qui n'a intérêt, c'est qui monde que vous voulez, c'est à partir de programme que vous avez gagné, est-ce que programme ça vous a présenté. Est-ce que c'est programme que vous intéressez? Est-ce que c'est programme qui a servi ou qui a servi petit tout? Donc, c'est à partir de là où vous êtes capable de décider qui est-ce que vous allez voter. Je ne suis pas capable de dire qui est-ce que vous allez voter. Mais c'est devoir pour aller voter, grain de vote ça, pour aller faire un devoir. Et pour capable décider dans le futur, à pays ça, à côté que vous allez vivre. Nous avons rappelé que nous avons parlé d'élection, nous avons parlé de voter, nous avons parlé de voter bonheur. Changer que si vous n'y ça va passer. On ne peut pas compter avec son monde qui peut voter des années de cela, ou même l'on parle voter, je dis, ça veut dire que le fait qu'on parle voter a pas affecté le futur monde qui va aller à vivre dans le comté Broward. Monsieur Masson, nous connaissons que faut nous parler avec la communauté panneau anti-jean plus, parce qu'en pile dans yo, profiter de cette époque élection que toujours travaille. Moi, je connais que si vous avez besoin de faire ça, puisque tu as un training depuis en août, il faut que tu en fasses. Est-ce que mon numéro, bien que nous avons fait et sûr, moi avec M. Marquette, mais si nous n'avons pas assuré nous que nous avons dit que nous n'avons pas dit que nous travaillons toujours. Mais nous avons toujours un numéro de téléphone, côté que si ce n'est pas une élection, ça, pour déjà assurer que nous prenons l'entraînement qui est nécessaire, là, si une élection qui est venue en mars, puis qu'il y a un temps paré. Parce que le plus souvent, nous connaissons que nous les gens qui connaissent déjà le training. Parce que si vous faites sortir, vous ne pouvez pas tomber pour la go dans le COVID pour faire
travail là. Qui dit Jenan que nous toujours à prendre monde. Oui. Nous toujours à prendre monde pour travailler. Même des possibilités au monde capable de travailler dans l'élection ça cap venir toujours. Donc et ceci pendant la présence moi dans bureau son bail que m'étais en force m'étais encouragé en pile et moi faire le venir en réalité côté que il y a en pile monde qui parle créole qui travaille dans soit dans early voting soit dans jouer l'élection dans précinct. Moi m'étais nous que monsieur Mason un petit genre modeste, je pensais que monsieur Mason assurer les gourmets que dans chaque précinct qui gagne avec dans chaque local pour toi aller ou voter que les haïtiens qui là pour aider. Oui. Et 7h du matin et jusqu'à 7h du soir pour connaître que bon haïtien que leur il va joindre monde pour parler avec vous. Monsieur Mason m'a dit compliment. Merci. Et nous vraiment honorés pour nous gagner dans la communauté qui travaille aussi dur. Merci. Et si tu fais que mes amis nous t'avait un bagage que bureau t'a doué faire pas fait, toujours les bureaux nous capable reler pour nous poser question. Mais pour nous, tu as parlé de travail là, et nous capable travailler dans le bureau élection pour jouer élection que nous payons entre $150 à $350 pour jouer seulement. Ça va dépendre de qui position que vous occupez. Les consortis de $150 à $350 pour jouer seulement. Donc nous capable reler dans 954 459 99 11. Ça c'est pour nous travail. Et il y a plusieurs types de positions et jusqu'à présent nous toujours apprécier des VST, nous toujours apprécier clerk, nous toujours apprécier monde qui a travaillé dans Prisentio, toujours relé pour nous capable travail. Mais si toutefois que nous avons une question pour bureau élection, nous capable toujours relé dans 954 357 7050. 954 357 7050. Ça c'est pour bureau élection. Après ça tout Jenan qui t'aime dire que nous sommes dans les réseaux sociaux que nous là tout que nous gagnons Twitter que nous gagnons en Facebook et que nous gagnons toutes les réseaux sociaux que nous là que nous capable visiter ou capable checker avec bureau élection. On était content avec nous aujourd'hui, moi pensais que nous couvrir un peu d'informations qui est très important ou même pour faire décision pour aller exercer droit civique ou qui c'est voter. Nous pas dire pour qui monde nous voter, nous pas dire qui l'a pour voter, nous expliquons qu'on a fait le bonheur, qu'on a fait par la poste, ou qu'on a venu même jour. Mais il est important que ou même qui gagne 4 ça, qu'on serve avec. Son 4 qui parle de voir, son 4 qui bat au pouvoir. Monsieur Masson, merci en pile. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir pour me parler à votre élection, toujours faire m'exciter, moi-même, voter bonheur. C'est un plaisir tout, moi, inviter la population, moi, inviter la communauté haïtienne à enregistrer pour voter. Voter, faire voir nous passer. Et si vous ne pas comprendre, relez le bureau élection. Si nous ne parlons pas l'anglais, seulement relez le bureau élection, dit créole. Ça seulement. Dit créole et puis y a transféré nous à moi-même. Et puis m'a donné toute information que nous avons connaître sur les affaires élection ici dans Broward County. Merci beaucoup. Merci. J'étais avec vous, Jenan Saint-Fleur. Merci et à bientôt.